Alors avant le début de cette vidéo, je voulais juste vous signaler que Infinity Area, un site de jeux vidéo qui est très très cool, je vous mets le lien dans la description avec qui je suis partenaire, c'est vraiment une équipe de passionnés qui monte un site de jeux vidéo, et bien ils organisent un concours pour gagner Assassin's Creed Valhalla, donc sur Uplay, sur PC. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, et c'est pour ça que je vous mets le lien dans la description pour participer à ce concours. Je vous souhaite bonne chance à tous, et je vous mets également le lien pour aller sur Infinity Area et visiter le site, voilà. Maintenant, let's go pour la vidéo. Salut à tous, Altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Division 2. Et j'ai essayé hier le PTS, donc en phase 2. Il y a eu des changements, vous avez fait une vidéo pour vous dire quels changements. Et donc j'ai essayé le mode The Summit hier. Et on a réussi, bah, avec Hans de mon clan, on a réussi à aller au bout. Et du coup, je voulais vous montrer ça dans la vidéo. Donc si vous voulez pas être spoilé du tout et que vous attendez le 22 septembre pour y jouer, et que vous voulez pas voir à quoi ressemble le boss, n'allez pas trop loin dans la vidéo. Parce que à la fin, en gros, on va tuer le boss final et vous verrez la fin du mode The Summit. Alors globalement, dans les changements qu'ils ont apportés pour cette phase 2, franchement, je suis plutôt vraiment satisfait pour le coup. Je vous avais fait une vidéo où je vous donnais mon avis sur le Summit et je vous disais justement qu'il manquait un peu de différents types d'événements. Et ben, ils en ont rajouté plusieurs. Franchement, je vous spoil pas, mais il y en a au moins 3 ou 4 qui ont été rajoutés. Bah, franchement, c'est vraiment cool. Ils ont été hyper réactifs là-dessus pour le coup. J'avais aussi parlé du fait que ça était peut-être un petit peu trop facile. Et alors en fait, même s'ils ont enlevé une des directives, il y avait 4 directives activées entre l'étage 90 et l'étage 100. Et bah maintenant en fait, ça a changé, il n'y a plus que 3 directives. Mais je me disais, mince, c'est dommage, ça va être encore plus facile. Mais en fait, pas du tout. Ils ont rendu le truc plus difficile. Honnêtement, on l'avait fait à deux avec Hans, avec les mêmes builds la semaine dernière. Franchement, étage 90 à 100, on était passé assez facilement. Ça allait. Et là, franchement, les premiers étages, entre 90 et 95, on a eu plein d'événements assez difficiles, avec des zones à prendre et tout. C'était pas facile. Il a fallu vraiment tryhard et c'était cool, quoi. On est passé, mais il fallait faire attention, fallait pas trop courir n'importe où. Donc voilà, c'est exactement le type de difficulté que moi j'attendais. Donc pareil, je trouve que les développeurs ont assuré là-dessus. Je trouve que la difficulté est pas mal maintenant. Les boss sont difficiles. On a dû réessayer 3 fois avant de les avoir. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas... on n'a pas dû les faire et essayer genre 15 fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout de 3 fois, on les a eus. Mais ils sont difficiles aussi. Et franchement, voilà, je trouve que vraiment bravo aux devs qui ont été super réactifs sur le coup. Je sais pas si tout le feedback a été dans le même sens que moi, mais j'imagine. Et bah, du coup, ils ont vraiment assuré. Et ils ont vraiment. Je trouve que maintenant, le mode Summit est déjà pas mal. Il reste plus qu'à voir un peu sur le target loot, voir ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Sur le loot, il y a peut-être à réfléchir à des systèmes de loot là-dessus. Mais franchement, sinon, au niveau de la difficulté, je sais pas. Je sais pas, vous me direz, vous, si vous arrivez à le faire, si vous avez déjà joué sur le PTS. Il va falloir du bon build quand même pour le faire. C'est vrai qu'avec un build moyen, on va avoir beaucoup de mal. Il faut taper fort. Il faut avoir un bon build DPS, je pense, pour y arriver. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même super sympa. Et du coup, bah, bravo. Je trouve que Massive, pour le coup, cette fois, a vraiment réagi super vite. Et ça prend une bonne direction. En tout cas, c'est pas encore tout à fait terminé, je trouve, ce mode de jeu. Mais on est vraiment pas loin d'avoir un truc super rejouable et super sympa. Reste plus qu'à voir le loot, comment ils vont se démerder. En tout cas, voilà, je vous laisse avec les images de quand on a réussi à vaincre les boss et donc la fin de ce summit. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao à tous. Okay. Oh, il m'a one shot. Allez, bon, fais-la, l'enculé. Non, mais ouais. Putain de. Ah, il m'a one shot, quoi. Non, je peux pas. Ah, il va me défoncer. Non, ouais, à gauche. Putain! Dommage! Non, puis je revoyais ma mousse au début. Parce que là, le problème, c'est que le mec était enflammé. Enfin, le mec, il était enflammé, il s'est mis direct à couvert. Et si on se met tous les deux en mise au point sans rien envoyer? Tu vois, genre, on dit celui de gauche, on l'éclate, mais vraiment d'un coup, quoi. On peut essayer. Et après, il y en a plus que deux, tu vois. On peut essayer ça aussi. Pourquoi tu veux qu'on l'éclate avec quelle arme? Ou l'éclate au MAA et puis après on switch air pour la suite. Ouais. Allez, c'est reparti. Ouais, attends, je switch sur mon build MAA. Allez, c'est la bonne. Je me demande s'il faudrait pas un drone aussi là pour les. Tu sais, pour qu'ils perdent le focus sur nous là. Tu peux. Je peux essayer une fois, comme ça, j'attends que ça. Ça met quoi, 10 secondes à peu près à ce que tu puisses mettre les compétences?
Bon, au pire, de toute façon, je te le dirai quand... Ouais, vas-y, je relance le drone et on verra. On verra bien. Bon, j'ouvre la porte, on stack le focus. Ouais, vas-y, on stack le focus. Ça a débrouillé le chien au début. Bah du coup, on met même pas de grue, on essaye, je sais pas, celui du milieu ou... On va essayer. Ok, celui du milieu, on essaye de okay, l'éclater, bah, quoi. Je vais les faire spawn. Vas-y. Oh, c'est dur, hein. Il part trop vite à couvert. Ouais. Bon, vas-y, on change de plan. Hein. Ouais. Bon, ok, bon. Il vient vers moi. Ouais. Putain, j'ai pris la foudre, quoi. Le problème, c'est... Merci. Voilà, il se déploie très vite sur les ailes. Reviens, reviens, reviens. Faut retourner dans la salle d'avant. Ça va pas passer. On peut pas tenir à l'intérieur. Bon, t'inquiète, je peux te mettre une ruche. Ouais, c'est good. Ok. Bon, là, va falloir camper ici, hein. Ouais, ouais. Mais ouais. Je sais pas ce que ça a fait mon drone, ils ont dû péter en 2-2. Bah on est retourné sous Sium, ils font tellement mal que... J'avais essayé ici, mais le problème c'est qu'ils se... Bon déjà il y en avait un qui mettait des mines tout le temps, donc il cassait vraiment les couilles. Et il se... Oula, il est sticky. Ouais, là c'est pas une sticky. Par contre il me mousse à travers les murs. Hein. Ouais j'ai vu. C'est un peu de la triche. Attention, il y en a un qui arrive non? Attention, il te donnerait des trucs là. Ouais, ouais, je le vois. Il y en a pas un qui va nous rush, évidemment. Enfin. Il y en a pas un qui rush. Au bout d'un moment, il rush. Enfin, c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il m'a déboîté. Hein. Il y en a qui arrive. Ouais, je suis blanc. Oh, il a pris cher, hein. Il arrive. Vas-y, vas-y, viens jouer. Deuxième. C'est bon. Je dois mets que des têtes, je mets que des têtes. Je mets il est sur toi. Il a encore à corps. Non, il se heal. Il s'est heal. Vas-y, vas-y. C'est de la mousse qu'il a. Il est mort, il est mort. Okay. Troisième est là. J'ai plus du tout mon focus. Ok, il est sur le drone. Il se heal. Wow, c'est quoi ça? J'ai pris quoi là? What? J'ai ma ruche. Je sais pas ce que j'ai pris. C'est, il est au pompe. Ah, d'accord. Je me soigne. Vas-y, vas-y. Il reste combien de kits au total? Un kit. Okay. Je recharge mes armes. Il renvoie une ruche. Ouais. Attends, j'attends que mon drone soit aussi prêt dans 5 secondes. On restack le focus au cas où ou pas? Ouais. Moi j'ai mon focus de stack. Putain, mais du coup l'IEM il nous casse les burnes là. Bah moi aussi je suis stack. Il arrive. Il arrive. Oh. Il m'a mis à terre. Faut le finir. Non, il se non. Ok, ok. Je préfère te réa plutôt que... Ouais, fais gaffe, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il recharge. Bon, j'ai pas du tout le focus de stack. Ok, il est mort. Ah, bien joué. On a fait le pire choix possible, hein. Ouais. Entre il a rechargé son chem. Il a préféré recharger son chem, hein. C'est vraiment... Putain, c'était chaud. Bien joué. Ouais, c'est peut-être ce qu'il faut faire à deux, hein. Parce que vraiment, il y en a un qui passe la porte. Bon, après, quand les deux ont passé la porte, quasiment, là, j'ai... Ouais, c'était un peu la panique quand ils sont arrivés à deux, quand même. Hein. C'est un petit peu chaud. Eh bien, bien joué. Bien joué. Le loot est pas ouf, là, sur les boss. Ah, j'ai eu que des trucs de compétences, hein, vraiment. Ouais, j'ai des trucs de merde, ouais. Mais par contre, les trois m'ont filé du target loot. Ah, allez, c'est passé, nice. Je te laisse tirer la fusée. Ouais, j'arrive. On va faire un petit screen. On peut visiter, là, hop. Après, ouais, c'est... On voit rien dehors, vraiment. Ah ouais? Ouais. Ah, on voit rien. Full nuage. On fait le petit screen devant le... Ouais, ouh, j'ai des frises, là. Devant ça, là? Ouais. Comme tu veux. Ouais, vas-y. Ah, mais par contre, quand on fait des screens en mode photo, là, quand c'est sur le PTS, je sais pas si je les reçois, en fait. Au pire, j'aurai des screen caps du stream. Voilà. Nickel. Nice. Qu'à tirer la fusée pour la réponse. C'est parti.
Par contre, hein, XP autant qu'une légendaire pour avoir tout clean. Ouais, c'est chaud. Il me semble qu'on voit la ville. Alors attends. Non, on voit plus la ville en fait. On peut pas monter sur les panneaux. Faut y aller en mode photo.